Rak El Hadj parmi les meilleures équipes au monde. Il n'y a pas d'équipe facile, ça c'est sûr, surtout la Manne. 4-5 jours, on était déjà dans le match, mais on ne dormait pas. On allait jouer contre l'Allemagne, c'est pas n'importe. Hein. L'Allemagne, c'est la meilleure équipe. N'avait pas avec l'idée de l'Allemagne ou de deuxième match, il faut peut-être changer d'équipe pour la fin. Je ne sais pas si l'Allemagne, c'était l'euphorie. Il y a maintenant le Farha, le téléphone, on ne s'était pas occupé du match d'Autriche. On était maintenant dans le milieu. Très lourde la défense, c'est un peu le cas de mais la composante de l'équipe d'Arna, ma quête m'a dit, bah, je alors il fallait garder la tête froide, la tête sur les épaules et continuer à travailler et à prendre très au sérieux cette Coupe du Monde. Vous avez vu contre l'Autriche, on est passé à côté. Contre l'Autriche, il fallait changer ou bien trouver une autre solution. Le manque d'expérience, c'est-à-dire que les gars, ils passent à côté, ils passent. Mais ça, c'est le dirigeant. C'est le staff technique qui a dit Normalement, les entraîneurs devaient préparer le match, surtout sur le plan psychologique. Mais ça n'a pas été. Un match important, Robert Herbin, pour les Algériens qui peuvent peut-être accrocher, pourquoi pas, leur qualification pour le deuxième tour à l'issue de cette rencontre. Il leur faudra marquer beaucoup de buts. Avec trois buts d'avance, trois buts différents dans cette rencontre, ils devanceraient soit l'Autriche, soit l'Allemagne. Et on peut penser que si les Algériens réussissaient cet exploit, eh bien ce serait un exploit d'une part pour les Algériens de se qualifier, et d'autre part, cela nous promettrait un Allemagne-Autriche demain très musclé. Aïe, 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 aïe.
L'équipe d'Allemagne est à mes yeux la meilleure d'Europe. Elle est très bien composée, toutes les places sont bien tenues. Encore un quart d'heure de pénitence. C'est le match de la honte. Ils devraient retirer leur licence à ces 22-là. Tachner, Omer Mayer et les représentants de l'équipe d'Algérie, les représentants officiels qui sont dans une tribune pas très loin de la nôtre, quittent le stade. L'Algérie dénonce la parodie de match qui s'est déroulée devant 50 000 spectateurs et le public n'a même pas été respecté. Et c'est vraiment dommage parce que les deux pays ont porté un grand coup à l'équipe sportive. Le jour de l'Abna contre le Chili, on savait que le lendemain, l'équipe de l'Allemagne était au L'Algérie a très bien joué dans ce tournoi, mais ça n'a pas suffi. L'ordre dans lequel les matchs étaient joués a permis aux équipes d'Allemagne de l'Ouest et d'Autriche de savoir que si elles terminaient leur match par 1-0, elles seraient toutes les deux qualifiées. Et bien sûr, il y a eu un but marqué assez tôt. Score 1-0. Et pendant le reste du match, les équipes n'ont plus attaqué. Elles se sont contentées de ce résultat. Ça sautait aux yeux qu'ils voulaient s'assurer que l'équipe d'Algérie ne soit pas qualifiée. C'était un petit peu le match de la honte. Ils étaient comme ça, ils étaient entre les 18 mètres de l'un et 18 mètres de l'autre, ils se passaient les ballons comme ça, ils n'allaient même pas vers les buts. Le plus intéressant, ce fut la réaction des supporters de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Autriche dans le stade en Espagne. Ils sifflaient leur propre équipe. Ils savaient que ce n'était pas bien, que ce n'était pas du football ce qu'ils voyaient. La FIFA valide le résultat, mais depuis cette rencontre, les derniers matchs de poule de la Coupe du Monde se disputent simultanément afin d'éviter toute entente préalable. Ce qui me touche, à l'époque aussi, la FIFA n'a pris aucune sanction. Des Autrichiens ou des Allemands. Rien du tout. Les deux buts qui ont marqué le Chili nous ont coûté cher. Avec la génération, avec la 82, on pouvait aller très loin. Mais le manque d'expérience, c'est ça qui a stoppé cette génération.